m'appelle Abderrahman Madawi. Bon, tout le monde m'appelle Abder. On est dans la salle de boxe anglaise qui se trouve à la Sablière, le quartier de la Sablière de l'agglomération rouennaise, voilà, de Rouen, voilà, de la ville de Rouen. Moi, je suis né au Maroc. Je suis né à côté de Berkane, c'est-à-dire dans la montagne. Moi, j'habite un village donc à côté de Berkane, voilà. Et je suis venu à l'âge de 9 ans ici. Voilà. Donc j'ai fait ma scolarité comme tous les enfants immigrés. Donc, j'ai fini donc par accéder au sport de combat, en commençant par le kung-fu. Après, j'ai fait du full contact. Donc j'en ai fait quelques années, beaucoup d'années en compétition, et puis voilà, en faisant quelques titres, en faisant en kung-fu, en full contact. Et après, j'ai tiré un petit peu. Le terme tirer, donc c'est combattre. Donc dans plusieurs autres disciplines comme le karaté Kyokushinkai, tu vois, j'ai fait les championnats de France. Après en kickboxing, en boxe américaine, donc un championnat intercontinental, donc c'est comme les championnats du monde. En Angleterre, j'ai fait, j'étais international, j'ai boxé plusieurs champions internationaux. Et après, j'ai accédé donc à la boxe anglaise. J'ai pris goût à la boxe anglaise grâce à des clubs de boxe anglaise, grâce à des entraîneurs, grâce à des clubs. Et puis, 20 ans après, tu vois, j'ai pris une licence en professionnel, puis j'ai boxé donc... 4 fois, donc j'ai fait 4 combats professionnels. Voilà. La difficulté, c'est déjà le sport en lui-même, c'est donc de le pratiquer tous les jours et de faire en sorte que ça nous gêne pas dans notre vie professionnelle. C'est un plaisir avant tout, hein, le sport, parce qu'il n'y a pas énormément d'argent à gagner. Dans les sports de pied-point que je faisais, il n'y avait pas beaucoup de sport. Pas beaucoup d'argent à gagner. Et le plus dur, c'est de s'entraîner tous les jours, de garder un rythme, et puis surtout d'affronter les combats, donc les combattants. S'affronter soi-même, en fait, c'est très très dur. Donc, tous les jours, il faut se motiver, puis de combattre des gens de plus en plus durs. Voilà, et puis de travailler toujours son mental, quoi. Voilà, je fais la sécurité ici, en fait. Et donc, c'est là où j'ai mon business. La double culture qu'on a, la plupart des Marocains, je pense pour tous les autres immigrés aussi, ça doit être pareil. En fait, on est fiers. On est fiers parce que la culture, ça ne veut pas dire grand-chose en même temps, mais en même temps, c'est la vie de tous les jours. La culture, c'est la vie de tous les jours, c'est des habitudes, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de comprendre les choses, une façon d'analyser les choses, c'est une façon de s'exprimer. La culture, c'est beaucoup de choses, quoi. Et c'est toute la vie des gens, en général, la culture. Et la double culture, c'est une richesse. Tu peux pas... personne ne peut prétendre le contraire. C'est une richesse pour tout le monde et dans tous les pays, la double culture. Le message que je peux faire passer aux Marocains, le plus important, c'est de continuer à être ce qu'ils sont, qu'ils regardent derrière et qu'ils regardent maintenant et qu'ils regardent dans le futur et qu'ils tirent les leçons. Donc du passé, d'aujourd'hui, pas du futur parce que c'est pas encore, et qu'ils en fassent un futur. Donc les bonnes leçons, qu'ils continuent à y croire
qu'ils sachent que voilà, on est tous une famille. On est tous une famille, on a tous le cœur qui bat pour notre pays et puis pour les Marocains qui y vivent et qui sont à l'étranger. On est tous, voilà, on se sent tous très proches.